Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, nous devons commencer cette catéchèse du projet Regio Maria. Et cette fois-ci, nous allons évoquer le sujet présenté par Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort dans son traité sur la vraie dévotion à la Vierge Marie. Et c'est un sujet, un peu cette catéchèse va être divisée en deux parties. La première partie, c'est de voir le rôle, la mission des Maries dans l'histoire du salut des chrétiens, dans le mystère et la vie de l'Église, et le rôle et la mission des Maries au dernier temps. Et puis la deuxième partie de la catéchèse, qui sera publiée dans une autre vidéo, ce sera de évoquer le culte à la Vierge Marie, qui sont les véritables serviteurs de la Vierge Marie et les véritables dévots de la Vierge Marie, et comment donc il faut faire face à cette dévotion mariale. Alors, Saint-Louis-Marie, il va nous présenter justement la mission et les rôles de la Vierge Marie dans l'histoire du salut, dans l'Église et à la fin des temps, ou plutôt au dernier temps, et il nous présente le rôle de la Vierge Marie justement pour nous montrer qu'il est essentiel pour nous de nous consacrer à la Vierge Marie, c'est-à-dire que c'est la consécration à la Vierge Marie est les moyens les plus efficaces pour parvenir à la sainteté, à la perfection chrétienne, à la vision glorieuse des dieux. Et alors nous allons commencer dans un premier moment, nous allons voir Marie dans l'histoire du salut, le rôle et la mission des Maries dans l'histoire du salut. Donc il faut dire que Marie a une relation particulière avec les trois personnes divines qui interviennent dans l'histoire du salut, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père a communiqué à Marie sa fécondité et pour lui donner les pouvoirs de produire son Fils et tous les membres du corps mystique, c'est-à-dire tous les membres de l'Église. Donc Dieu le Père donne à Marie une fécondité toute particulière, justement pour produire le Fils des dieux et aussi les membres du corps mystique de l'Église. Dieu le Fils est descendu dans son sein virginal pour y prendre ses complaisances et pour y opérer en cachette de merveilles de la grâce. Le Fils qui se cache dans les seins de la Vierge Marie pour faire les merveilles de sa grâce. Il faut dire, comme l'affirme Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, et c'est un constat, Jésus-Christ a commencé ses miracles par la Vierge Marie et il va continuer ses miracles par la Vierge Marie. En effet, il faut noter alors qu'il commence ses miracles par la Vierge Marie, par exemple, le jour où il visite et la Vierge Marie rend visite à Élisabeth, eh bien, il y a tout de suite la sanctification de Jean-Baptiste. Et puis après, un peu plus dans l'ordre de la nature, lorsque Jésus se rend avec la Vierge Marie à Cana, il y a ce premier miracle, la conversion de l'eau en vin, et ce miracle aussi, ça passe d'abord par la Vierge Marie. Et puis, Dieu le Saint-Esprit, bien sûr que étant stérile en Dieu, comme dit Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est-à-dire qu'il ne produit pas une autre personne divine, il devient fécond par Marie, puisqu'il a épousé la Vierge Marie. Voilà, donc alors cette relation de la Vierge Marie avec les trois personnes divines au long de l'histoire du salut. Dieu le Père qui donne cette fécondité à Marie, Dieu le Fils qui se cache
en Marie pour opérer les grâces et pour commencer justement l'œuvre de salut. Et puis après, le Saint-Esprit qui est fécond grâce à la Vierge Marie qui l'a épousée. Maintenant, voyons la Vierge Marie, les rôles de la Vierge Marie dans la vie de l'Église. Eh bien, là aussi, Saint-Louis-Marie nous présente la relation de Marie avec les trois personnes divines. Et il commence avec une très belle phrase dans les traités de la vraie dévotion en disant « Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer et il a fait un assemblage de toutes ses grâces qu'il a appelées Marie. » Le Seigneur alors, Dieu le Père, rassemble toutes ses grâces, un océan immense des grâces, et il les rassemble alors dans une seule personne, la Vierge Marie. C'est pour ça que, comme nous l'enseigne l'Église, la Vierge Marie est médiatrice de toute grâce. Dieu le Fils ensuite a communiqué à Marie tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort. C'est son canal mystérieux, son aqueduc, par où il fait passer doucement et abondantement ses miséricordes, ses grâces. Donc, Jésus-Christ utilise la Vierge Marie comme un canal. C'est à travers elle qu'il nous parviennent toutes les grâces. Et puis, Dieu le Saint-Esprit, par la Vierge Marie, a une mission toute particulière, celle de s'occuper, de former et d'éduquer les véritables chrétiens, les saints. Car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire en union du Saint-Esprit les choses singulières et extraordinaires. Et alors, Saint-Louis-Marie nous dit, si vous constatez que le Saint-Esprit ne fait pas maintenant de merveilles éclatantes dans les âmes, si vous constatez que le Saint-Esprit n'agit pas dans les âmes chrétiennes, c'est parce que très probablement, l'âme chrétienne n'a pas fait place à la Vierge Marie comme il faut. Et alors, y a deux conclusions. La première, c'est que justement, Marie a reçu des dieux une grande domination dans les âmes des élus. En effet, Marie ne pourrait pas être la médiatrice de toute grâce. Marie ne peut pas être un canal où Jésus nous communique toutes ses grâces. Marie ne peut pas être non plus celle qui va aider le Saint-Esprit à façonner une âme si elle n'a pas justement cette domination que Dieu l'a donnée, justement pour que toutes ces grâces puissent se réaliser en nous à travers Marie. Pour cela, Marie est la reine du ciel et de la terre par grâce, comme Jésus est le roi par nature et par conquête. Et la deuxième conclusion, c'est que donc, et la très sainte Vierge Marie est tout à fait nécessaire aux hommes pour arriver à la vie éternelle. Bien entendu, si la Vierge Marie, c'est le canal par lequel nous arrivent les grâces des dieux, si elle est médiatrice de toute grâce, et si elle va nous aider à que l'action du Saint-Esprit soit véritablement efficace, bien, ça veut dire qu'alors, nous avons énormément besoin de la Vierge Marie pour parvenir à la vie éternelle. Et dans ce sens, Saint-Louis-Marie, Grignan de Montfort, nous dit... Je ne crois pas qu'une personne puisse acquérir une union intime avec notre Seigneur et une parfaite fidélité au Saint-Esprit sans une très grande union avec la très sainte Vierge et une grande dépendance de son secours. Extraordinaire et très belle phrase. Donc, peut-être que ce n'est pas tout à fait possible d'avoir une union intime avec notre Seigneur si nous n'avons pas en même temps une union intime avec la Vierge Marie. Et puis finalement, nous voyons le rôle et la mission de la Vierge Marie au dernier temps. Le dernier temps, c'est justement les temps que nous vivons maintenant.
Déjà, Saint Louis-Marie, quand il écrivait son traité de la vraie dévotion au XVIIe siècle, il parlait de dernier temps, bien maintenant, nous y sommes. Et alors, il va justement nous donner les raisons par lesquelles Dieu veut révéler et découvrir la Vierge Marie, particulièrement dans ces derniers temps, maintenant. Et alors, quelles sont donc ces raisons? Eh bien, d'abord parce qu'elle s'est cachée dans ces mondes. Quand elle était en vie, elle était toujours cachée. Donc maintenant, Dieu veut la montrer à tout le monde. Ensuite, parce qu'elle est le chef d'œuvre des mains des dieux. Et alors, Dieu veut justement faire connaître et faire aimer ses chefs d'œuvre de ses mains. Aussi parce qu'elle est l'aurore qui précède et découvre le soleil de justice qui est Jésus-Christ. Et puisque Jésus-Christ doit être aimé et glorifié, surtout au dernier temps, eh bien, donc il faut aussi que soit révélée et présente dans les mondes cette aurore qui nous découvre ce soleil de justice, cette aurore qui est la Vierge Marie. Aussi parce qu'elle doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce. Éclater en miséricorde pour tous ces pécheurs qui vont se convertir, notamment dans ces derniers temps, et peut-être aussi pour tous ceux qui vont se convertir à la foi chrétienne. En force parce qu'elle doit lutter contre les ennemis des dieux. Et en grâce pour fortifier, pour encourager, pour soutenir les serviteurs et les esclaves des dieux. Et puis finalement, Marie est importante dans ces derniers temps parce qu'elle doit être terrible ou diable comme une armée rangée en bataille. Saint Louis-Marie le disait déjà, mais il y a beaucoup de saints qui l'ont répété et l'Église nous l'apprend. Il y a une bataille qui a commencé au début de l'histoire du salut, depuis la Genèse jusqu'à nos jours, et ça va continuer jusqu'à la fin des temps, une bataille entre les diables et la Vierge Marie, entre sa descendance, la descendance de Marie et la descendance du diable. En effet, le diable sait qu'il a peu de temps, et beaucoup moins que jamais, pour perdre les âmes des chrétiens. Il redouble tous les jours ses efforts et ses combats contre les serviteurs fidèles de Marie. C'est pour cela que Saint Louis-Marie voit que la Vierge Marie doit être révélée principalement et manifestée dans ces derniers temps parce qu'il y a une bataille qui est très engagée. Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. Ce que Ève a damnée et perdue par désobéissance, Marie l'a sauvée par obéissance. Voilà pourquoi alors cette bataille est entamée depuis longtemps. Parce que le diable ne peut pas supporter qu'une créature comme la Vierge Marie puisse le vaincre. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement une inimitié entre Dieu, entre la Vierge Marie et le démon, mais il y a également une inimitié entre la race de la Vierge Marie, les serviteurs de Marie et les serviteurs du démon. Et alors pour cela, il faut donc se servir de cette protection maternelle de la Vierge Marie afin de pouvoir combattre aussi le démon. Nous tous, nous les serviteurs et les disciples de Marie, et les esclaves de Marie, nous sommes tous engagés également dans cette bataille contre les démons, contre les ennemis de Dieu. Et c'est pour ça que Saint Louis-Marie se demande qui sont ces serviteurs qui vont devoir faire face dans ces derniers temps au diable et à ses anges. Et alors il répond, ce seront un feu brûlant, c'est-à-dire les ministres du Seigneur qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ce seront des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ce seront des enfants de Lévi
bien purifié par le feu des grandes tribulations et bien collé à Dieu. Cesseront partout la bonne odeur de Jésus-Christ, ou pauvre et ou petit. Et puis, de façon extraordinaire, conclut Saint-Louis-Marie en disant « Enfin, ces serviteurs des Maries qui devront faire face au diable et aux ennemis des dieux, ce sont les vrais disciples de Jésus-Christ. Ils auront dans leur bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. » Voilà, chers frères et sœurs, la mission et les rôles de la Vierge Marie, alors, dans l'histoire du salut, dans la vie de l'Église et dans ces derniers temps, et puis surtout particulièrement dans ces derniers temps, nous-mêmes, lorsque nous devrions faire face au diable et à ses anges et à tous les mâles qui veulent détruire Dieu et l'Église de Dieu, eh bien nous savons que nous avons une protectrice qui est notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Voilà pourquoi, comme affirme Saint-Louis-Marie, il est tout à fait nécessaire de se consacrer à la Vierge Marie, parce que c'est par elle que nous parviendrons à la vie éternelle. Hélas, prions pour tous ceux qui ne connaissent pas la Vierge Marie, pour tous ceux qui n'ont pas la grâce d'être serviteurs et esclaves de la Vierge Marie. Demandons alors à notre Sainte Mère qu'elle nous protège toujours, que ce soit toujours la médiatrice des grâces pour nous tous. Amen.